Bonjour Sylvie. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à l'île Maurice. Oui. Tu conseilles depuis quelque temps aussi la greffe de cheveux. Oui. Tu es venue accompagner oui. donc d'un de tes patients. Oui. D'accord. Et pour en même temps découvrir cette nouvelle technique voilà. de la FUE dans City. On nous en parler un peu plus. Oui, tout à fait, puisque j'ai assisté à pratiquement toute l'intervention. Alors j'ai été agréablement surprise parce que c'est indolore. Vraiment, ça, les prélèvements, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas trop. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment du travail de fourmi et de patience. Là, tu as des greffons de 1 cheveu, 2 cheveux, 3 cheveux. Oui. Tu as vu, elle les met sur son gant. Oui. Et ensuite, après, ce greffon, on va aller regarder. Ce greffon, après, il va être trié devant le microscope. On verra ça tout à l'heure. Et c'est celui-là qui sera implanté. Et il va être... Je te montrerai tout à l'heure comment ça va. Tu vois, c'est vraiment indolore. C'est bien. Oui, oui. Indolore. Oui, oui. Voilà. On voit, il ne bouge pas, bon. Il est étalé. Comment tu te sens? Ah, très très bien. En fait, je sens absolument rien, si ce n'est j'entends un petit bruit de fond, comme qu'on est chez le dentiste pour un petit détartrage. Et une nouvelle technique, ils ont pris du poil de barbe pour densifier le cuir chevelu. J'ai trouvé ça aussi très bien. Mais c'est vraiment, je garderai un souvenir. Je pourrais déjà parler de la greffe, puisque comme j'étais, je pourrais déjà plus parler de la greffe. Et quand on a vu quelque chose et qu'on le ressent, je pense qu'on peut en parler d'une façon différente. Petit détail, parle-nous justement du centre esthétique de l'océan Indien qui a été créé par quelqu'un que tu connais bien. Oui, c'est Gérard Guidi, c'est mon ancien patron. En 1982, Sylvie est rentrée dans mon salon à Castelsarrasin et elle a commencé son apprentissage avec mon papa et avec moi. On a travaillé des années ensemble oui. et c'est un beau parcours. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à l'île Maurice. Elle a pris aussi la suite du cabinet capillaire que j'avais. Elle l'a fait fructifier. Elle a aussi des clients qui sont ses amis aussi et qui sont les miens. Et puis voilà, 28 ans sont passés. Puis là, on se retrouve à l'île Maurice on a évolué dans le cheveu. On a fait des choses différentes dans le cheveu, mais on est toujours dans le cheveu. Et là, elle est en train de découvrir les dernières techniques de transplantation capillaire. Transfert capillaire, on va dire, et c'est vraiment les dernières techniques. Il y a eu une évolution terrible, surtout ces 3 ou 4 dernières années. Voilà. Et en même temps, elle voit des filles qui sont des filles extraordinaires. Avec une, je on confirme. A qui sont vraiment de très très grandes professionnelles. Je confirme. J'arrive de Los Angeles avec la Chalini qui est manager, et on peut dire que. Ce qu'on a vu à Los Angeles, on fait partie du haut niveau au niveau mondial. Outre ces dames qui sont remarquables, alors moi je ne me rends pas trop compte puisque je ne vois pas grand-chose, c'est juste la dextérité de leurs mains, mais je voudrais rajouter aussi le professionnalisme de l'équipe dans son ensemble depuis les premiers contacts avec Chantal, je la cite, voilà, et effectivement avec une notion du service que l'on retrouve rarement. Et tout ceci met énormément confiance parce que même si on gonfle le torse, on ne fait pas trop le malin quand même. Voilà. Et vous constatez toute la souffrance qui m'anime. Ah, c'est vraiment bien. Les filles, est-ce que le patient est sérieux? Oui, très bon patient. Oui. Et en direct avec. Et nous sommes en direct avec Rémi Constant. Oui, de Radio Nostalgie, effectivement. La voix de Montauban avec Rémi, l'animateur numéro 1 de Sapiac. Donc c'est superbe, c'est un établissement, c'est exceptionnel. Les personnes sont d'une gentillesse, vous êtes accompagnés du début jusqu'à la fin. Quand on parle d'intervention, on ne peut pas parler d'intervention chirurgicale, c'est anodin, vous êtes tellement bien accompagné que il n'y a rien de... C'est que du bonheur. Tout est fait pour qu'on se sente bien. C'est
très agréable. Quand tu rentres à Tonnette City, à Castelsarrasin, complètement boostée, complètement oui, heureuse. Tout à fait. Tu vas pouvoir parler de tout ça, oui, redonner du bonheur aux gens, parce oui, que tu en donnes beaucoup. En parler, oui, tout à fait. Puis je vais beaucoup en parler. Et je vais beaucoup pousser, certainement, les personnes qui étaient... Parce que ça, quand on parle toujours d'intervention chirurgique, on n'est pas très courageux, on a toujours peur. Et là, je pourrais les booster, leur dire que c'est rien. Voilà. Merci pour ton témoignage et bon retour à Castelsarrasin. Merci beaucoup.